Quand votre chien fait ses besoins, il y a de grandes chances pour qu'il vous regarde du coin de l'œil. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'un comportement tout à fait normal. Cependant, pourquoi est-ce qu'il vous regarde quand il fait ses besoins? Vous devez savoir qu'il s'agit d'un comportement tout à fait normal, et que même si certains maîtres peuvent être gênés par ces regards insistants, ils ne sont pas graves du tout. Vous voulez connaître les raisons de ce comportement? Eh bien, nous vous souhaitons une bonne vidéo. En adoptant un chiot ou un chien adulte, une des premières choses qu'on lui apprend, c'est à uriner sur un papier journal pour ensuite lui apprendre à faire ses besoins dans la rue. Durant toute la durée de ce processus, nous utiliserons le renforcement positif afin d'encourager ce comportement, que ce soit au moyen de récompenses, de caresses ou d'encouragements oraux. C'est précisément grâce à l'utilisation du renforcement positif que beaucoup de chiens ont tendance à regarder leur maître quand ils font leurs besoins, et ce, même s'ils ont l'habitude de faire leurs affaires dans la rue. Ils s'attendent à avoir une récompense ou juste un très bien qui les remplira de bonheur. Certains professionnels de l'éducation canine suggèrent que si votre chien vous regarde en faisant caca, c'est parce qu'à ce moment-là, il se sent tout particulièrement vulnérable. Il est normal que certains chiens se cachent ou cherchent des endroits abrités pour faire leurs besoins afin de ne pas être dérangés ou être victimes d'une attaque surprise. C'est pour cette raison que votre chien garderait un contact visuel avec vous afin de se sentir plus protégé en ce moment si délicat. Cependant, cette théorie n'est pas toujours vérifiée car certains chiens marquent en utilisant leurs excréments. De plus, la grande majorité des chiens est complètement habituée à un environnement urbain, loin des prédateurs. Ainsi, ils ne doivent pas vraiment se sentir en danger ou vulnérables dans la rue. Les chiens ont un langage corporel varié, qu'ils montrent constamment afin d'interagir avec leur environnement, même si les maîtres ne s'en aperçoivent pas tout le temps. Pour eux, un regard intense et fixe, surtout s'il vient d'une personne inconnue, peut être interprété comme un signe avant-coureur ou un comportement offensant, et peut souvent conduire à de la méfiance. Pour cette raison, nous vous conseillons de ne pas regarder fixement un chien inconnu quand il fait ses besoins, surtout si vous souhaitez créer un lien positif avec lui. Maintenant que vous connaissez les trois raisons qui expliquent pourquoi un chien vous regarde quand il fait ses besoins, votre chien le fait aussi? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires, comme vos suggestions de futures vidéos, et n'oubliez pas de nous mettre un like si vous avez bien aimé notre nouvelle vidéo. À la prochaine sur Planète Animal!